Je m'appelle Yao Anne. J'étais sorcière. Et je suis venue avec ma mère pour me faire délivrer à Divo. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée par le prophète Joël Casson. Je dis, je suis à Divo pour faire délivrer ma fille de la sorcellerie. J'ai été initiée par la servante de ma tante. J'ai été initiée par la servante de ta grande sœur. Non, de la grande sœur de ma maman. De sa tante. Ok, j'ai été initiée par la servante de ta tante. Oui. Ok, on y va. Elle m'a donné la nourriture et j'ai mangé. Elle t'a donné la nourriture, tu as mangé. Oui, papa. On y va. C'est ainsi que j'ai été initiée. Et je me suis retrouvée avec elle dans un lieu. Et elle m'a dit que ce qu'elle m'a donné, c'était pas la nourriture, que c'était la chair humaine, que je dois lui rembourser. Et j'ai pris le gonfle de ma maman pour lui donner. Elle a gâté moi ma vie, sa maman. Elle a gâté ma vie. J'ai mis une boule dans son ventre et aussi je l'empêche de se marier. Tu l'empêches de se marier? Oui, papa. Tu as mis une boule dans son ventre? Oui, papa. Comment ça? Comment ça? Moi, j'aime bien les détails, mais qu'on l'explique. Hein. Comment tu as pu mettre la boule dans le ventre de ta mère? Ça, c'est important pour nous. J'ai pris la boule et j'ai fait des incantations et j'ai mis dans son ventre. Dans quel moment tu as fait ça? Tu as arrivé à faire ça? Ça fait longtemps. Elle dormait pendant quelques heures. Elle dormait. Elle dormait et tu as transformé la boule pour mettre ça dans son ventre. En fait, tu as mis ça dans son ventre. Oui, papa. C'était pour quoi? C'était pour qu'elle ne puisse pas faire d'enfant. Je suis en train de voir, pendant que je prie pour elle, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir que ta maman même, là, tu as pris son âme, tout ce qui est chance. Et son âme, tu as mis ça dans une coquille d'escargot et tu l'as mis entre les bananiers. C'est pas ça? Oui, papa. Je prie que la puissance de Jésus-Christ, je prie que la main puissance de Jésus, que cette main puissante de Jésus, que cette main puissante, je brise cette chair de la captivité sur ta vie. Je brise cette chair. Je brise cette chair. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Je te libère. Je commande. Je commande la puissance, la ténèbre, de l'ignorance de ton cœur. La puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. C'est l'heure de ta délivrance. Elle a sonné cette heure que Dieu a décidé de te libérer. Reçois ton miracle. Reçois la puissance de Dieu. Tu te libères. Dieu te libère. Touchez-la, elle est déclarée libérée au nom de Jésus. Mais je reçois comme sur ton sein gauche, c'est comme un revolver, un pistolet, ton sein gauche. Je reçois un message comme sur ton sein gauche. Le sein gauche, c'est comme un revolver. Pendant que tu as face de ta victime, ton sein gauche, c'est comme un revolver que tu utilises pour tuer les gens. Oui, papa, j'utilise ça aussi pour tuer les gens. Touche ton sein gauche, touche ton sein gauche. Touche ton sein gauche. Gauche,
Pendant que ma main sur ta poitrine, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, ce démon, cet esprit qui t'anime, la puissance, je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ton corps. Tu libères la vie, libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Et ce revolver, ce fusil mystique, depuis sa poitrine et dans son sein gauche, est détruit. Je reçois la puissance de Dieu. Démon de la sorcellerie dans son corps, pars. C'est un ordre. Tu pars et maintenant, tu pars. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Laissez-la. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je commande au nom puissant de Jésus. Et pendant que je prie pour elle, pendant qu'elle est là à terre, je la vois comme un mille-pattes mystique. Il y a mille-pattes, et puis je vois comme araignée poilue. Voilà, je vois comme araignée poilue. Elle a tout ce pouvoir en elle. Mais la puissance de Dieu vient jusqu'à te libérer. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ te libère. La puissance de mon Dieu te libère. Je détruis ce pouvoir. Lâche-la. Et ce pouvoir qu'elle a comme l'araignée mystique, elle a la capacité de donner des maladies aux gens. Elle donne des maladies aux gens. Elle donne des cancers. Il y a des choses qu'elle n'a pas dit que le Seigneur me fait voir. Elle donne des cancers aux gens. Elle donne des sida aux gens. Elle a une sorcellerie grave et terrible, cette fillette. La puissance de Dieu. Lâche-la. Voilà. Et reçois ta délivrance. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Amen. Et je remercie Dieu de m'avoir délivré aussi et d'avoir utilisé le prophète Joël Grasso pour me délivrer. Je le remercie pour vraiment. J'ai crié de joie à mon Dieu Tout-Puissant que par lui ma fille Adessa a été délivrée. Anne, lorsqu'on venait, elle était sorcière. Mais je vous dis, à l'heure où je suis arrêtée là, elle a été délivrée. Le Seigneur a passé par son serviteur, Joël Grasso, pour délivrer mon enfant. Vraiment, je suis remplie de joie. Je suis remplie de joie. Je vous invite beaucoup chez le prophète Joël Grasso, parce que Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. En tout cas, il fait des merveilles ici. Je vous invite beaucoup ici. Merci. Et je dis merci encore à Dieu.